Une méditation. Donc, vous allez joindre les mains en namasté, donc en prière devant la poitrine. Puis, vous allez ouvrir tous les doigts, sauf les index et le pouce. Donc, pour former le mudra, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un signe qu'on peut faire avec les doigts, les mains et aussi avec le corps. Donc, c'est un mudra, ça signifie geste en fait, qui symbolise quelque chose. Donc, ce mudra, avec les doigts ouverts, sauf les index et les pouces, c'est le mudra du lotus. Donc, de la fleur, de cette fleur de, qui en fait qui vit sous l'eau et qui en fait va éclore en s'ouvrant, voilà, sur l'eau. Donc, on va placer les mains en lotus, devant l'espace du cœur, et vous pouvez fermer les yeux ici. Prenez un instant pour reprendre contact avec les sensations du corps. Pour prendre contact également de l'espace dans lequel vous êtes. Sentir votre corps dans cet espace, sur l'espace également de votre tapis. Et les mains posées ici devant l'espace du cœur, vous pouvez visualiser une couleur rose, un rose lumineux, qui est lié au centre d'énergie du cœur. On peut associer également la couleur verte. En fait, c'est... on peut associer la couleur rose ou la couleur verte. Mais aujourd'hui, pour moi, enfin, ce qui me paraît le plus évident, c'est le rose, un rose très lumineux, vibrant. Et vous pouvez imaginer donc cette lumière, cette vibration dans tous les sens. Vous laissez émerger cette lumière de l'espace intérieur. Laissez émerger à partir de soi, voilà, ce qui nous représente, ce que l'on est. Je propose aussi d'associer le mantra « Je suis ». En inspirant, vous pouvez mentaliser ce « je » et à l'expire, « suis ». En sanskrit, on dit « soham ». Donc, vous pouvez utiliser le mantra en sanskrit ou en français. C'est vrai que dans la vibration, on peut respirer en fait dans le mantra soham en inspirant cette lumière, en se répétant so et en expirant am, je suis. Il y a quelques jours, j'ai relu une citation tirée du Vieil homme et la mer d'Hemingway qui dit « Ne pense pas à ce qui n'existe pas, mais pense à ce que tu fais de ce qui existe. » Donc ici, on vient nourrir ce qui existe à l'intérieur de soi, transformer cette lumière en une énergie plus
plus rayonnante et plus vibrante. On va inspirer pour élever les mains vers le ciel, pour étirer cette énergie au-dessus de la tête. À l'expire, ramenez les mains devant l'espace de la poitrine et laissez cette lumière se diffuser un peu plus dans le corps et au-delà du corps, dans un cercle qui va venir entourer notre corps physique. Inspire, élève les mains vers le ciel, élève cette lumière, cette énergie. Expire, voilà, pour ramener les mains devant le cœur et pour descendre cette vibration dans tout l'espace du corps, nourrir toutes les parties du corps qui en ont besoin. Laissez s'expandre cette énergie autour de soi. Une dernière fois, inspire vers le ciel. Vers le cœur. Puis vous allez fermer les mains. En namasté. Et inclinez légèrement la tête vers le cœur. Prenez quelques respirations ici. Continuez à nourrir tout le corps. Continuez à laisser vibrer toute cette énergie rayonnante, toute cette lumière, à l'avant du cœur, à l'arrière du cœur. Et laisser diffuser tout autour de soi, dans son aura, dans son énergie. Puis lentement, posez les mains sur les genoux. Vous allez inspirer pour étirer la poitrine vers l'avant. Expire, amène le menton vers le sternum. Et projette le cœur vers l'arrière, arrondis les omoplates. Inspire pour ouvrir l'espace entre les épaules. Expire, projette les omoplates vers l'arrière. Encore une fois, inspire. Projetez le cœur vers l'avant. Expire, arrondir le haut du dos. Et puis reviens dans une posture neutre. Une profonde inspiration ici et expirez lentement par la bouche. Ouvrez les yeux et venez à quatre pattes. Les mains bien à plat sur le sol, les genoux à l'écart, les hanches. On va creuser dans le dos pour inspirez vers l'avant. Expire pour ramener le coccyx vers le sol et arrondir le dos, le menton vers la poitrine. Inspirez vers l'avant, ouvrez l'espace entre les épaules. Expire le nombril vers la colonne, le menton vers la poitrine. Encore une fois, inspire. Étirez l'espace entre le pubis et le cœur. Expire. Projetez le cœur vers le ciel. Le menton vers la poitrine. Puis revenez dans une posture neutre. Cette fois-ci, vous allez inspirer pour arrondir le dos et venir légèrement vers l'avant. Expire. Creusez et poussez les fesses vers l'arrière. On inspire pour arrondir le dos. Et venir comme dans une vague vers l'avant. Et on expire, on plie les coudes, on creuse dans le bas du dos et on fait le mouvement inverse, vers l'arrière, comme une vague. On inspire pour arrondir le dos vers l'avant, comme dérouler la colonne. On expire pour ramener les fesses vers l'arrière, on creuse dans le bas du dos. Encore deux fois, chacune à son rythme. On inspire comme si on déroulait la colonne vers l'avant. On expire, on plie les coudes. On creuse dans le bas du dos et on projette les têtes de fémur vers l'arrière. Encore une fois, on inspire vers l'avant pour dérouler la colonne.
et on expire vers l'arrière. Puis vous allez poser les fesses sur les talons pour venir dans la posture de l'enfant, Balasana. Relâchez bien le front sur le tapis. Relâchez bien les mâchoires, tous les muscles du visage. Relâchez votre abdomen. Inspirez longuement par le nez. Et expirez par la bouche. Inspirez longuement par le nez dans tout le dos. Expire, relâche un peu plus. L'abdomen vers le tapis. Encore une fois, inspire dans tout le dos. Créer de l'espace pour remplir, pour venir nourrir tous les espaces qui ont besoin d'être nourris. Et expire par la bouche. Puis ramène les mains de chaque côté du genou, déroule lentement la colonne. Les mains sont posées près des genoux. Ici, vous allez inspirer pour venir décoller les jambes du tapis et ramener les cuisses vers le ventre en étant sur les orteils. Expire, ramène les jambes au sol et les fesses sur les talons. Encore une fois, on inspire, on engage le centre et on soulève les jambes. Et on expire, on ramène les jambes au sol. Une dernière fois, on inspire, décoller les jambes et les genoux. Et on expire pour relâcher. Puis on va venir à nouveau à quatre pattes. Écartez bien les genoux de la largeur de vos hanches. Retournez les orteils. Vous allez garder les genoux fléchis et allonger la colonne. Gardez votre abdomen vers les cuisses. Allongez l'espace entre les poignets et les aisselles. Et entre les aisselles et les hanches, étirez la colonne au maximum. Gardez votre tête parallèle à vos bras. Puis descendez le talon droit vers le tapis. Puis le talon gauche. Venir étirer l'arrière des jambes. Lentement, on marche sur place, un pied puis l'autre. Puis à nouveau, pliez les genoux. Cette fois-ci, vous allez étirer les ischions vers le ciel sur les orteils. Vous allez inspirer pour venir dans la vague, vers l'avant, dans une planche. Expire pour plier les genoux sans les poser sur le tapis. Puis à nouveau, pousse les ischions vers le ciel. En inspirant, on déroule la colonne dans une vague. Si vous voulez, vous pouvez faire ce même mouvement avec les genoux au sol, comme on l'a fait en début, en arrondissant le dos vers l'avant et en expirant vers l'arrière, en creusant dans le bas du dos. On inspire, on enroule vers l'avant. Vous pouvez faire la même chose avec les genoux au sol, sinon vous pouvez faire exactement le même mouvement qu'on fait ici. On enroule la colonne vers l'avant pour passer dans une planche, puis on plie les genoux. Puis à nouveau, étire les ischions vers le ciel. Peut-être pouvez-vous allonger les talons un peu plus vers le tapis pour le chien tête en bas ici. Prenez une grande inspiration par le nez. Puis à l'expire, déposez les genoux sur le tapis. Pliez les coudes et déposez la poitrine lentement sur le sol. Allonge les jambes vers l'arrière, étirez les bras vers l'avant, posez le front au sol. Puis ici, vous allez faire des mouvements du bassin à droite à gauche pour détendre le bas du dos. Relâchez bien le pubis sur la terre. Puis ramène les mains de chaque côté de la poitrine et à nouveau viens dans le chat. Vous allez ouvrir la jambe droite perpendiculaire au bord extérieur du tapis et allonger la jambe gauche dans le prolongement de la hanche. Le bras gauche également dans le prolongement de la jambe. Respire ici. Pousse bien dans la main sur le tapis. Ouvre un peu plus la poitrine vers le ciel. La nuque est longue.
regardez soit en face de vous, soit vers le ciel. Si c'est possible, vous allez décoller votre jambe pour avoir la jambe dans le prolongement de la hanche. Comme une ligne droite, on étire entre le sommet du crâne et le pied. Et si c'est possible, étirez votre bras gauche vers le ciel. Et restez ici. Respirez calmement dans la poitrine, dans l'abdomen. Encore une inspire ici. Et à l'expire, dépose lentement la main et le genou. À la prochaine inspire, étire le bras gauche vers le ciel. Puis viens glisser le bras sous le bras droit. Pose la tempe au sol. Respire ici dans cette torsion et dans cette ouverture un peu plus profonde. Encore une lente inspiration et une profonde expiration pour revenir dans le chat. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez ouvrir la jambe gauche perpendiculaire au bord de votre tapis. Allongez votre jambe droite à l'arrière de votre tapis. Le bras dans le prolongement de la jambe. Respirez d'abord ici. Trouvez votre équilibre. Engagez bien votre centre. Sentez votre appui fort et stable dans votre main au sol. À nouveau, la nuque est longue. Vous pouvez regarder en face de vous ou tourner le regard vers le ciel. Si vous êtes stable et en équilibre ici, vous pouvez décoller votre jambe. Continuez de respirer. Allongez le bras vers le ciel. Encore une inspiration là. Expire, repose la main et le genou au sol. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel pour venir glisser le bras sous le bras gauche. Pose la tempe au sol et à nouveau. Ici, vous allez tourner votre poitrine vers le ciel. En respirant, en prenant soin de la respiration qui est toujours le guide. On inspire lentement de l'abdomen jusqu'aux clavicules. Et à la prochaine expiration, ramène la main sur le tapis. Retourne les orteils pour venir dans chien tête en bas. Marche les pieds vers l'avant du tapis. Gardez les genoux pliés, relâchez bien le buste et la tête vers le tapis. Inspire sur le bout des doigts, étire la colonne. Le buste parallèle au tapis, le menton rentré légèrement vers la poitrine. Expire, relâche le buste et la tête. Vous pouvez encore plier dans les genoux si vous avez des tensions dans le bas du dos. Encore une fois, inspire pour étirer les jambes, le buste parallèle au sol. Expire, relâche. Le buste et la tête. Une dernière fois, inspire ici, le buste parallèle au tapis. Posez les mains sur les hanches. Et expirez pour redresser lentement le buste à la verticale. Enroulez les épaules vers les oreilles. Bien relâcher les omoplates vers le bassin et vers le sol. Joignez vos gros orteils. Et laissez un espace entre les malléoles. Vous allez rapprocher vos mains en namasté devant la poitrine. Ici, vous allez ouvrir tous les doigts dans le mudra du lotus en gardant les index et les pouces joints. Peut-être que vous pouvez visualiser à nouveau cette lumière rose, brillante, lumineuse. Vous allez inspirer dans cette lumière et étirer les bras vers le ciel. Expire, joins les mains et descends le buste vers
les jambes. Inspire pour étirer la jambe droite vers l'arrière. Regarde vers l'avant. Ouvre l'espace entre les épaules. Pose les mains de chaque côté du pied pour passer dans une planche. Expire, pose les genoux. Projette les coudes vers l'arrière, plie les coudes, garde bien les coudes près du buste, pose la poitrine. Glisse vers l'avant dans un petit cobra. Puis reviens dans un chat en expirant. Retourne les orteils, chien tête en bas. À la prochaine inspiration, viens déposer le pied droit entre les mains. Pose le genou gauche au sol et redresse lentement le buste. Relâche bien les épaules et le bout des doigts vers le tapis. Relâche un peu plus le pubis vers la terre. Puis viens sur le bout des doigts, sur le côté droit. Ici, vous pouvez utiliser, si vous avez une brique ou un support, vous pouvez poser votre brique sur le côté droit aussi. Le bout des doigts sur le sol ou sur le tapis. Puis ici, allonge le bras gauche dans le prolongement de l'oreille. Respire là. Toujours la poitrine, le cœur tourné vers le ciel. Vous avez les yeux vers la paume de votre main ou vers le ciel. Encore une inspiration ici. Puis expire pour venir vers l'avant, frôler avec la main gauche le sol. Pose les doigts sur le côté gauche et étire le bras droit dans le prolongement de l'oreille. Inspire calmement, lentement. Dans l'espace du cœur. Puis expire, vous ramenez les mains de chaque côté du pied à l'avant du tapis. Puis ramène le pied gauche vers l'avant, relâche bien le buste et la tête vers les jambes. Inspire, ouvre les bras sur le côté vers le ciel. Expire pour ramener les mains devant l'espace du cœur en Namasté. Ferme un instant les yeux ici et prends quelques belles inspirations, quelques profondes expirations. Ressens l'effet de la pratique sur tout l'espace du corps, des pieds jusqu'au sommet du crâne. À l'avant et à l'arrière du cœur. Puis à nouveau, ouvre les doigts dans le mudra du lotus. Inspire, comme pour ouvrir cette fleur vers le ciel. Puis ramène les mains ensemble, descend le buste vers les cuisses. Cette fois-ci, étire la jambe gauche vers l'arrière. Viens sur le bout des doigts pour ouvrir l'espace entre les clavicules. Pose les mains de chaque côté du pied à nouveau, passe dans une planche. Dépose les genoux, plie les coudes, pose la poitrine, glisse vers l'avant dans un petit cobra, éloigne bien les épaules des oreilles. Puis à nouveau, viens dans un chat. Ici, vous pouvez jeter un œil sur le placement de vos mains. Les mains bien écartées de la largeur des épaules, les genoux de la largeur des hanches. Vous allez étirer votre bras droit, dans le prolongement de votre oreille. Une fois que vous êtes bien stable, vous allez décoller la jambe gauche, étirer la jambe et garder votre nuque longue. Et ici. Les côtes sont bien rentrées vers la colonne et le nombril vers la colonne également. Puis pliez le genou de la jambe à l'arrière. Et si c'est possible, vous allez attraper votre pied à l'arrière, par l'intérieur, pour ouvrir davantage l'épaule, la poitrine, le haut du corps. Poussez votre pied dans votre main et la cuisse vers le ciel. Et respirez ici. Encore une longue inspire. Puis expire, repose la main et le genou au sol. Puis inspire pour étirer le bras gauche vers l'avant. Les côtes bien rentrées vers l'intérieur et le nombril.
Allonge la jambe droite vers l'arrière. Essaye de garder les hanches sur un même niveau. Sentez que vous êtes stable, que tout le corps est long, comme étiré sur la même ligne. Encore une longue inspire ici. Expire, plie les genoux et attrape le pied à l'arrière. Pousse bien dans la main pour ouvrir l'épaule et ouvrir l'espace de la hanche à l'arrière, entre la hanche et le pied. Inspire ici. Expire, repose la main et le genou au sol, puis viens dans la posture de l'enfant. Joignez vos gros orteils. Relâchez bien le front. Relâchez bien la poitrine. Respirez calmement. Puis à nouveau, viens dans le chat sur une inspiration. Retourne les orteils, pousse le coccyx vers le ciel pour chien tête en bas. Allez inspirer pour ramener le pied gauche entre les mains. Venir sur le bout des doigts pour ouvrir l'espace de la ceinture scapulaire et clavicule. Puis ramène le pied vers l'avant du tapis. Et relâche bien le buste et la tête. Expire ici. Inspire, ouvre les bras sur le côté, vers le ciel. Expire pour ramener les mains devant l'espace du cœur. Relâche un instant les bras le long du corps dans la posture de la montagne, Tadasana. Les mains ouvertes vers l'avant, les épaules bien ouvertes. Vous êtes stable. Les pieds bien ancrés sur le tapis, tous les orteils bien posés sur le tapis. Puis à nouveau, ramène les mains devant l'espace du cœur. Ouvre tous les doigts, sauf les index et les pouces. Inspire vers le ciel. Expire, joins les mains, descends les mains le long de la colonne centrale d'énergie. Puis ici, étire la jambe droite vers l'arrière, pose le genou droit au sol. Vous allez garder la main droite sur le tapis et ouvrir le pied gauche vers l'extérieur. Pose la main gauche à l'intérieur du genou pour ouvrir davantage la jambe gauche vers l'extérieur et ouvrir la poitrine vers le ciel. Tourne le cœur vers le ciel et le regard vers le ciel. Et respire ici. Vous pouvez poser votre main si c'est accessible au sol ou alors sur une brique si vous avez besoin d'une brique. Respire là. Sentez que chaque inspiration vient nourrir tout l'espace du corps, toutes les cellules. À chaque expire, relâchez un peu plus dans l'ouverture du bassin. Expirez dans les espaces qui en ont besoin, ou peut-être vous sentez des tensions. Ici, vous allez peut-être plier votre genou à l'arrière et attraper votre pied, si c'est possible. Sinon, vous gardez le pied au sol. Ici, on va ouvrir davantage le haut du corps, mais également travailler un peu plus la cuisse au sol. Voilà, ouvrir un peu plus dans la hanche. Et un peu plus d'étirement, d'ouverture. Puis lentement, repose le pied. Ramène le pied gauche au milieu du tapis. Vous allez étirer votre jambe vers l'arrière. Puis à nouveau, pose le pied. Et on va faire ça, ce mouvement, plusieurs fois. On inspire pour étirer et on expire. Reposez le pied vers l'avant. Encore une fois, on inspire. Étirez entre le talon et la tête de fémur à l'arrière. On expire, on ouvre la poitrine vers l'avant. On inspire, on tend la jambe.
Et on expire pour reposer le pied. Ouvre les mains de chaque côté du pied à l'avant du tapis. Venez dans une planche. Pose les genoux. Plie les coudes. Pose la poitrine. Glisse vers l'avant dans un petit cobra. Puis reviens dans le chat. Retourne les orteils. Chien tête en bas. Vous allez inspirer pour étirer votre jambe droite vers le ciel en gardant les deux aisselles bien face au tapis. Ici, vous allez ouvrir votre hanche en gardant votre jambe tendue. Ouvrez la hanche droite vers le ciel et en essayant de garder les deux aisselles bien face au tapis. Soyez bien ferme dans vos mains. Puis, si vous avez bien vos mains ancré sur le sol, les aisselles face au tapis. Vous pouvez plier le genou pour laisser votre talon retomber dans la fesse. Et ouvrir peut-être un peu plus la cuisse vers le ciel. En gardant vos deux hanches sur un même plan. Puis tend à nouveau la jambe et dépose le pied entre les mains. Puis vous allez venir sur la tranche du pied gauche. Posez votre pied gauche à l'arrière du tapis, au sol. La tranche du pied au sol. Ouvrez votre bras droit vers l'arrière de votre tapis. Le bras parallèle à la jambe. Et respirez ici. Une longue inspiration. Et une profonde expiration pour revenir. La main au sol, passe dans une planche. Pose les genoux sur le tapis et viens dans la posture de l'enfant. Relâche bien le front. Relâche bien les muscles de la mâchoire. Détendez votre abdomen. Puis à nouveau, inspire pour venir dans l'enfant. Retourne les orteils, chien tête en bas. Vous allez amener votre pied gauche à l'avant du tapis, entre les mains. Pose le genou au sol. Non, c'est le pied droit, pardon. C'est le pied droit à l'avant du tapis. Vous allez poser votre genou gauche au sol et marcher votre pied droit vers l'extérieur de votre tapis. Puis vous allez poser votre main droite à l'intérieur de votre genou pour ouvrir la hanche, pour ouvrir davantage votre hanche ici et tourner le cœur vers le ciel, pour ouvrir la poitrine. Et respirez là. Inspirez bien entre les épaules, à l'avant et à l'arrière du cœur. Puis vous allez plier votre jambe, votre genou à l'arrière pour venir peut-être attraper votre pied. Descendez peut-être un peu plus le pubis vers la terre et ouvrez davantage la poitrine vers le ciel. Continuez à respirer longuement. Et à expirer profondément dans les espaces qui ont besoin d'être relâchés, d'être détendus. Dépose lentement le pied, la jambe sur le tapis. Ramène le pied droit au milieu. Ici à nouveau, on va inspirer pour étirer la jambe et expirer pour déposer le pied à l'avant du tapis. Et ouvrir l'espace entre les clavicules. Inspire, étire la jambe vers l'arrière jusqu'à la tête de fémur. Expire, reviens vers l'avant.
encore une fois, on inspire, étirez toute l'arrière de la jambe. Expire, pose le pied au sol, les mains de chaque côté du pied. Et à nouveau, passe dans une planche. Et pose les genoux. Plie les coudes, glisse vers l'avant, dans un petit cobra. Peut-être, viens déposer les mains de chaque côté des côtes flottantes. Pour venir dans un chien tête en haut, en décollant les cuisses et les genoux. Sinon, vous pouvez rester dans un cobra. Retourne les orteils, chien tête en bas. Vous allez inspirer pour étirer votre jambe gauche vers le ciel. Ici, gardez bien les aisselles face au tapis. Puis sans bouger les épaules, les omoplates, vous allez ouvrir votre hanche vers le ciel. Puis, pliez le genou pour rapprocher votre talon de votre fesse. Gardez bien l'étirement entre les poignets et les aisselles et entre les aisselles et le pubis. Ouvrez un peu plus votre cuisse vers le ciel. Inspire pour ramener la jambe dans l'axe et viens poser le pied entre les mains. Puis ici, venez sur le pied, sur la tranche du pied droit à l'arrière du tapis. Et ouvrez votre bras vers l'arrière, votre bras gauche vers l'arrière pour avoir la jambe et le bras parallèles. Et respirez ici. Puis ramène la main sur le tapis. À nouveau, passe dans une planche, pose les genoux. Puis les coudes, puis dépose la poitrine au sol, allonge les jambes, allonge les bras vers l'avant, dépose le front sur le tapis. Relâche bien tout le corps ici. Vous pouvez faire des mouvements du bassin de chaque côté pour détendre dans le bas du dos. Relâche bien le ventre, les mâchoires. Puis à nouveau, vous allez venir dans le chat. Et retourne les orteils pour passer dans le chien tête en bas. Vous allez inspirer pour étirer la jambe droite vers le ciel. Et à nouveau, pour ouvrir la hanche sur le côté droit, en gardant bien les aisselles face au tapis. Puis plie le genou à nouveau. En gardant bien la hanche ouverte. Et le genou ouvert vers le ciel. Puis vous pouvez peut-être regarder avant d'aller plus loin. Vous pouvez rester ici et respirer là. Si c'est possible, vous pouvez peut-être venir déposer votre pied sur le tapis, sous la fesse, et venir ouvrir la poitrine vers le ciel. Vous êtes sur la pointe, sur les pointes de votre pied droit. Ramène la main sur le tapis et reviens dans le chien tête en bas. Sinon, gardez cette option avec le genou ouvert et la hanche tournée vers le ciel, en gardant bien les aisselles face au tapis. Puis vous allez déposer les genoux un instant au sol et venir dans la posture de l'enfant, Balasana. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Respirez un instant dans l'enfant. Puis inspire, reviens dans le chat. Retourne les orteils, chien tête en bas. Étire la jambe gauche dans le ciel. Ouvre d'abord la hanche, puis plie le genou.
et restez ici pour deux respirations à votre rythme. Voilà, vous pouvez peut-être venir déposer lentement le pied à l'arrière et ouvrir la poitrine vers le ciel. Ramène la main sur le tapis pour revenir dans le chien tête en bas. Pose les genoux au sol. Puis à nouveau dans la posture de l'enfant. Vous allez inspirer longuement par le nez. Et expirer profondément par la bouche pour bien relâcher. Relâchez bien les tensions. Relâchez bien tout ce qu'il y a à relâcher. On est venu travailler dans ces ouvertures. Les hanches, le cœur. De l'avant et de l'arrière du corps. Puis vous allez venir à nouveau à quatre pattes. Et vous allez étirer vos bras vers l'avant du tapis en gardant bien les genoux sous les hanches. Étirez les bras vers l'avant, posez le front au sol. Posez vos avant-bras et les coudes au sol. Ici, vous allez venir plier les coudes et ramener les mains avec ce mudra du lotus au-dessus de la tête. Si vous avez mal au niveau des épaules, vous pouvez garder les bras sur le tapis en gardant les mains ouvertes sur le sol. Sinon, vous pouvez avoir les mains ouvertes au-dessus de la tête. Prenez de longues inspirations dans tout l'avant de la poitrine. Et à l'arrière du cœur. Adoucissez tout cet espace. De la poitrine. De la colonne. Vous pouvez peut-être visualiser cette couleur rose, chatoyante, lumineuse. À l'avant du cœur et à l'arrière du cœur. Expirez profondément pour bien relâcher. Et inspirez pour nourrir. Puis déposez les bras sur le tapis. Vous allez ouvrir les genoux de la largeur du tapis, joindre les gros orteils et bien relâcher toute la poitrine, tout le corps sur le tapis. Et respirez profondément ici. Ici, on vient détendre tout le dos, toute la colonne. Puis vous ramènerez les bras autour de vos cuisses, de vos jambes, pour bien relâcher les épaules au sol. Puis vous ramènerez les mains de chaque côté des genoux et lentement, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour la tête en dernier. Puis venez vous asseoir sur le tapis. Vous allez ouvrir, écarter les jambes. Posez bien les ischions sur le sol. Ici, vous pouvez utiliser une brique si vous avez ou une sangle. Ou alors si vous n'avez pas de sangle, enfin, si vous n'avez ni sangle ni brique, vous pouvez plier légèrement les genoux. Sinon, vous gardez les jambes tendues.
Vous allez inspirer pour étirer la poitrine, les bras vers le ciel. Et vous allez expirer pour vous tourner vers votre jambe gauche. Si vous avez la jambe pliée, vous pouvez enlacer les doigts sous la cuisse et venir étirer votre colonne vers la jambe en gardant la longueur dans la colonne, dans la poitrine. On n'est pas en fait dans la fermeture, on reste dans l'ouverture ici. Sinon, vous pouvez attraper votre pied et faire le même exercice en venant vous allonger vers votre jambe et en gardant l'ouverture au niveau des clavicules. Sinon, si vous avez une sangle, vous pouvez passer la sangle au niveau des coussinets et venir étirer la jambe et allonger la colonne. Et respirez profondément là. Encore une longue inspiration et une profonde expiration. Puis inspire pour redresser lentement la colonne. Vous allez joindre les jambes et venir faire des mouvements, des battements des jambes sur le tapis. Pour détendre un peu l'arrière des jambes. Puis à nouveau, ouvrez les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez plier votre genou, étirez les bras vers le ciel, ouvrez la poitrine, inspire, expire pour descendre vers la droite, soit en entrelaçant l'arrière des cuisses, soit les mains sur le pied ou sur le tibia. Relâche bien la poitrine si c'est possible, mais garde la longueur dans la colonne. Respire. Inspire longuement. Expire profondément. Inspire pour redresser le buste. Et à nouveau, vous allez faire des battements, mais en gardant les jambes ouvertes. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, dépose les mains au sol devant soi. Toujours en gardant l'espace entre les clavicules ouvert. Vous pouvez descendre en marchant les doigts sur le sol. Ou si c'est possible, posez vos avant-bras, vos coudes. Et venez poser les avant-bras l'un sur l'autre, ici, et respirez là. Vous pouvez aussi utiliser un support pour poser les avant-bras sur le support. Gardez bien la longueur entre le coccyx et le sommet du crâne, et respirez profondément. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qui existe. Autant dans le physique que dans toutes les autres disciplines, les autres activités de notre vie. Puis lentement, pose les mains sur le tapis, sur le sol, pour venir redresser la colonne. Vous allez ramener votre jambe gauche vers l'avant, vers le centre. Puis, vous allez plier en fait votre jambe droite pour ramener le genou droit au-dessus du genou gauche. Si c'est possible, vous avez votre talon vers votre hanche gauche. Le genou au-dessus et deux genoux l'un sur l'autre. Sinon, vous pouvez déposer votre pied sur le tapis.
pouvez être ici. Vous allez inspirer pour élever les bras et expirer pour descendre le buste vers vos jambes. Ici, vous allez bien relâcher la tête et vous allez ouvrir les paumes vers le ciel. Peut-être que votre menton va se poser sur votre genou. Sinon, vous êtes là où vous êtes et vous respirez là, relâchez votre tête. Ici, on est dans la demi-vache. On continue le travail d'ouverture des hanches, mais on vient également étirer tout l'arrière de la jambe au sol. Donc, expirez bien dans tous les endroits où vous avez besoin de relâcher. Relâchez bien le ventre. Relâchez bien les épaules, la tête. Lentement, inspire pour amener la colonne, le buste au-dessus des hanches. On va changer le placement des jambes. Vous allez étirer votre... Vous pouvez faire des mouvements, des battements sur le sol pour détendre les jambes. Puis vous allez placer votre genou gauche au-dessus du genou droit. Le talon gauche vers la hanche droite. Le pied flex. La jambe au sol engagée. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, relâche le buste vers les jambes. Relâche la tête, les paumes face au ciel. Relâche bien. Prenez de belles inspirations et de profondes expirations pour relâcher davantage. Lentement, redresse le buste. Étire les jambes vers l'avant du tapis. Et bien déposer le dos sur le sol. Venez vous allonger sur le tapis. Vous allez ramener vos ischions vers vos talons, pardon, vers vos ischions. Donc, les genoux fléchis, les bras ouverts en croix. Vous allez ouvrir vos pieds de la largeur de votre tapis. Et vous allez laisser tomber vos jambes sur le côté droit en inspirant. Puis, ramène les jambes vers le centre, puis laisse tomber les jambes sur le côté gauche. Puis vous allez changer de sens. À votre rythme, en respectant le rythme de votre respiration. Expirez et inspirez profondément. En laissant tomber les genoux d'un côté puis de l'autre. Vous ramènerez les genoux au centre. Vous ramènerez vos genoux vers votre poitrine. Puis vous allez venir positionner les plantes vers le ciel pour la posture de Happy Baby. Attrapez l'extérieur de vos pieds. Allongez votre nuque en rapprochant le menton de la poitrine. Et ici, vous allez masser le bas du dos. En venant sur un côté, sur le côté droit, puis le côté gauche, dans la posture de l'enfant en dynamique, de l'enfant, pardon, du bébé heureux, Happy Baby.
Puis vous ramènerez vos genoux vers le centre, vers votre poitrine. Et vous viendrez faire des cercles avec le bas du dos sur le tapis dans un sens, puis dans l'autre. Puis les genoux toujours vers la poitrine, vous allez étirer les bras vers l'arrière de la tête au sol, projeter vos pouces et étirer au maximum les doigts vers l'arrière en gardant bien tout le dos, toute la colonne sur le tapis. Le menton légèrement rentré vers la poitrine. Inspire profondément en étirant. Expire, relâche. Pose les pieds sur le tapis et glisse les pieds sur le tapis pour venir dans la posture de Shavasana. Ouvre les bras sur le côté au sol pour les ramener le long du corps. Décolle peut-être un peu la poitrine, le buste, pour bien relâcher les omoplates au sol pour la posture de repos. Fermez vos paupières. Relâchez bien tout le corps. Votre respiration est fluide et naturelle. Tout le corps est détendu et relâché.